on veut ma jolie ravivage. Charbon, été et l'hiver, c'est la vitale. Y'a deux billets vert et rouge, c'est la vie pense. Mademoiselle, mademoiselle, mademoiselle. Fico bip bip, ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas l'assez. Wesh l'équipe, bon, on se fait la petite vidéo actuelle du samedi. Bah l'équipe, pour recommencer cette petite actualité du samedi, on a Gazo qui a annoncé que son projet, il était terminé et qu'il sortira en octobre. Et pour l'instant, on n'a pas la date précise, tu vois, mais on sait que c'est pour le mois d'octobre. Et je rappelle que c'est son tout premier album. Donc ouais, j'ai hâte de pouvoir écouter ça. Ensuite, on a HP et Kezo qui ont annoncé la sortie d'un nouvel EP en commun qui va s'appeler Auto et c'est disponible pour le 5 juillet. En gros, pour le mois qui arrive. Ensuite, il y a quelques jours, on a parlé de Mala qui est passé en interview sur la chaîne 2000 Jimizy dans le code. Et je vous ai passé justement un extrait de l'émission. Et là, en gros, ben, il y a le Sherman qui l'a invité dans l'émission lui seul. Et Mala, il s'est exprimé sur sa rupture avec Booba et le 92i. Et je tenais à vous passer justement un extrait. Et je vous invite à aller voir l'interview. Pour ceux qui n'ont pas vu, bah, je vous passe un extrait. Regardez. On a beaucoup voyagé, tu vois. Ouais. Et sans lui, j'aurais pas vu tous ces pays, tu vois. On a vraiment voyagé, tu vois. J'étais dans des endroits, j'imaginais même pas mettre les pieds là-bas une fois, tu vois. Donc là, je me rends bien, moi. Ça me dérange pas, ça me dérangeait pas. Moi, j'aimais bien, moi. T'as vu, je monte sur scène, je fais mon morceau, mon freestyle, mon feat avec lui. Après, je reste. Si je veux, je sors de scène, tu vois. Je peux rester ou sortir de scène, du mec là. C'est vraiment, t'as vu. Et en plus, vas-y, t'as vu, en plus, t'as habillé, en plus. Donc, tu vois, tu voyages, tu pars les poches vides, tu reviens avec de la caillasse et tu t'es éclaté. Si tu veux, je me dis, non, je veux plus, je veux... Non. On est simple. D'ailleurs, moi, tant que ça nourrissait les petits, t'as vu, moi... Tu voulais pas plus? C'est pas que je voulais pas plus. C'est même... Ouais, non. Non. Ça m'a même pas traversé l'esprit, tout ça. Ensuite, ça, je tenais vraiment à vous en parler, puisque bah, la connexion, elle me fait vraiment plaisir. On a Shilpé et Dry qui ont sorti un featuring qui s'appelle Spartiate et qui est disponible sur la chaîne de Shilpé. Et en gros, bah, y a le clip, etc., tu vois. Et je vous invite à aller voir et à aller écouter, parce que c'est une pépite, l'équipe. Je suis croyant donc j'ai pas peur de la mort, gentleman au cœur noir, victoire, les feux de l'amour. J'ai l'attitude spartiate et tous les baisers, ouais j'ai archi hâte. L'Afrique sans la patate, à force de se faire plumer par colon comme Jacques Chirac. Ensuite, ça fait quelques jours que je vois cette vidéo dans mes recommandations et je tenais à vous en parler puisque personnellement, ben, je l'avais jamais vue. En gros, c'est une personne qui a confondu SDM avec HDMI. En gros, ben, il a cru que le rappeur, il s'appelait HDMI, sauf qu'il s'appelait SDM, tu vois. Et pour le coup, sa réaction, elle m'a fait vraiment rigoler, je tenais à vous en parler. Et je vous ai fait une petite compilation de quelques minutes, ça dure 2 minutes, où en gros, ben, il y avait justement ben, des fans qui ont confondu des rappeurs avec d'autres rappeurs, tu vois. Naps, Snap, t'as capté, pour ceux qui ont la ref. Bref, regardez. En direct avec le rappeur Snap. On est là. Marseille Panam, on Snap, est là. C'est la PS. Allez, c'est avec le frérot. Bien vu. Je connais pas mes sons. Si. C'est quoi mes sons? Tu connais mais tu connais pas mes sons. Attends, je fais la danse des bandits. Ma chérie, qu'est-ce que tu m'as reconnu ou pas? Ouais, t'es Naps. Voilà. Arrêtez. Ou je diversifie un peu sur les genres. Est-ce qu'il y a moyen de prendre une petite photo? Tu m'as dit quoi, frérot? Sadek. Je suis qui? Je te jure, tu ressens trois Sadek. Moi je suis. Non, mais non, t'es un rappeur. Mais je suis Sadek. Ah, tu mets le doute. Tu mets le doute. Allez. Ça va. Voilà, je vais mourir. Qu'est-ce que tu veux, Purple? Voilà, c'est moi, ouais. Mon frérot qui m'interpelle et qui me demande si c'est moi HDMI. Tu connais HDMI? HDMI, tu l'as trouvé? Là, il cherche c'est HDMI. Lui, c'est le monsieur là. HDMI, c'est lui? HDMI, il met le son. Dès que tu mets le son, tu écoutes la personne, là, tu connais direct. C'est tu sais que c'est lui. Hein. Tout le monde l'a fait. HDMI. Tu connais lui? Tu peux voir. Ils chantent quoi? La vie de rêve. Tu peux voir, il n'y a pas sa tête. Mais lui, tu connais lui.
Lui, tout le monde le connaît, lui. Lui, tout le monde le connaît. Il est connu, il est connu. Et il s'appelle comment? Je sais pas, il s'appelle SDM. Et moi, je t'ai dit, je m'appelais comment? Tu m'as dit, j'appelle S... SDM. Mais c'est moi, frère. C'est toi qui rappe là. Ouais, c'est moi. C'est pas toi. Voilà, c'est moi. Ouais. Non, c'est pas, merci beaucoup, mon frère. Ensuite, ça, je tenais à vous en parler puisque personnellement, ben, j'ai vu la plupart des films qu'il a fait. En gros, il y a le Like Caméra Action qui a annoncé que l'épisode 2 de leur podcast se passera le 1er juillet à 18h. Et en gros, ben, l'invité, c'est Adil El Rabi. Et je rappelle que Adil El Rabi, il fait partie du célèbre duo Adil et Bilal, réalisateur des films comme Bad Boy 3, Bad Boy 4. Il y a vraiment plusieurs réalisations qu'ils ont fait, tu vois. Et je tenais à vous en parler directement dans cette vidéo. Ça se passe le 1er juillet à 18h sur la chaîne de Like Caméra Action. Et je vous invite à aller voir l'équipe. J'avais une pneumonie. Ouais. Même Will a fait une vidéo sur ça sur YouTube. Oh, t'es en train de nous dire vraiment que t'as eu vraiment une pneumonie? Ouais. Ensuite, ça, c'est un truc de ouf. Il y a le Snap qui change les règles de calcul des ventes. En gros, il y a Ventrap qui ont fait une explication par rapport à ça. Puisque bah, maintenant, les vues YouTube, ils seront comptabilisés en tant que stream. Pour justement les chanteurs, rappeurs, etc. Tu vois. En gros, on peut lire. Le Snap annonce ce vendredi 28 juin le changement de ses règles. Désormais, les streams freemium et les vues YouTube seront inclus dans le calcul des ventes. Explication. Depuis 2018, seuls les streams premium provenant de comptes payants avec un abonnement étaient pris en compte dans le calcul des ventes et certifications. À partir du lundi 1er juillet, le streaming freemium audio et le streaming vidéo freemium plus premium intègrent les ventes à titre expérimental. Les plateformes concernées sont YouTube, Spotify, Deezer, SoundCloud et Amazon Music. Et l'intégration des streams venant de comptes gratuits et des vues YouTube se fera au ratio de 7 pour 1. 7 streams premium comptent pour 1 stream premium dans le top. A titre d'exemple, là où il fallait 15 millions de streams premium pour qu'un morceau soit certifié single d'or, il faudra donc 105 millions de streams freemium pour qu'il obtienne la même certification. Et il y a une personne qui a dit « Et pourquoi pas Apple Music? Donc quand tu écoutes sur Apple Music, tu streams cadeau ?» Et ils ont répondu « Il n'y a pas de streaming freemium sur Apple Music. Tous les comptes sont payants ou en période d'essai et comptés déjà intégralement dans le calcul des ventes. » Donc en gros, ben ouais, tous les vues justement YouTube, maintenant ils seront comptabilisés dans les streams, etc. Bref, c'est un bordel. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais ouais, c'est vrai que là, ça commence à prendre un grand pas, la musique, et ça part vraiment loin. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Ensuite, il y a quelques jours, on a parlé de La Malle qui a invité Rof pour l'album Fitna, qui est disponible partout. Et on a vu justement ben, une émission spéciale justement par rapport à l'album Fitna, et ils ont parlé de plusieurs choses. Et ils ont fait la première partie qui est disponible sur la chaîne de La Malle. Et là, il y a la deuxième partie qui a été tournée hier soir. Et ça a duré à peu près 3 heures si je suis pas fou. Et personnellement, ben, je l'ai suivi, tu vois. Et j'ai même mis ben, quelques commentaires, etc. Et il y a un de mes commentaires qui a été passé directement ben, devant leur télévision. Et pour le coup, leur réaction, elle m'a fait vraiment plaisir et ça me rebooste pour la suite. Et je tenais à les remercier directement en vidéo. Et en plus de ça, ils ont parlé d'un projet, la Quinfri Connexion, tu vois. Et j'ai hâte de pouvoir écouter ça. Et il a annoncé ça en exclu directement dans l'émission du La Malle Show. Et encore merci à La Malle. Non, des fois faut dire les choses. Voilà, en tout cas. Il faut dire les choses. Non, t'as vu, nous, on vous voit tous les deux là, réunis. Ça faisait longtemps déjà, nous, on ne vous avait pas vu ensemble. Mm-hmm. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Là, il y a quelque chose qui se prépare. Quinfri Connexion, qu'est-ce qui se prépare? Il y aura qui exactement? Il y aura qui exactement? Et qu'est-ce qui se prépare aussi exactement? Un EP, un album, une mixtape? Déjà, il y a Rof, ouais. Il y a AP, ouais. Il y a Intouchable, ouais. Demon One, ouais. Dry, okay. il y a grosse dédicace. Il y a Dragon Devi. Tu vois, c'est pour ça que j'ai bien dit exactement. Ouais, vas-y, fini. Et il y a Chill P. J'aime bien. Voilà. Et là, ça en est où, là? Combien le pourcentage, il est... Bon, je sais qu'il y a l'album du frérot déjà. Ouais, chaque chose en son temps. Ouais. Fico TV, grosse dédicace Fico TV. Fico TV aussi. Big up Fico. Bon. Fico, on est ensemble, mon gars. C'est un bon Fico. Ouais, c'est franchement meilleur, Fico. Voilà, pour parler des médias, on disait qu'il faut faire les choses nous-mêmes. Il est bon, Fico, je le kiffe. Il est bon. En plus, c'est un bosseur.
toutes les deux minutes, dès qu'il y a un truc qui sort, il est là, il fait sa vidéo, il fait truc, et il est dans la bienveillance. Exactement. C'est ça aussi. Souvent, exactement, voilà, les médias, on les critique, ouais, ils veulent putain clic, comme on disait, clic, 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 clic. Eux, ils sont là, ils sont dans la bienveillance. Ils expliquent les choses bien comme il faut. C'est pas, ils prennent parti de un tel. Ils expliquent. Voilà, ils expliquent. Les neutres, franchement, les neutres. Gros big up à toi. Ils respectent l'art, Fico. Ouais, franchement, ouais. Bon, Fico, gros big up. Il est de la bonne école. Bisous, Fico. Moi je veux qu'il danse, il est sur moi. Il a pas oublié. Moi je veux savoir le pourcentage, il en est où? On n'a pas commencé encore. Ok. On a discuté. Ok. Album intouchable est terminé. Voilà, déjà. Enfin, ouais, pratiquement terminé, ouais. Et en parlant justement de Kinfri Connexion, etc., on a Intouchable qui sont de retour et ils ont sorti un nouveau clip qui s'appelle Censurez-moi. Salut mon pote, sans ces news, faux chroniqueur, faux journaliste, faux Sabrina, les gens de quartier sont soit dealers, soit extrémistes. Et en gros, Intouchable, je rappelle que c'est Demoan et Drahi. Donc ouais, le retour justement de Intouchable, c'est une dinguerie. Personnellement, j'ai grave kiffé. Je vous invite à aller écouter l'équipe. Tommy Smith, ce point levé pour la Palestine. La France a perdu mon est. Il me n'estime pas les hommes de mon espèce. Face au canon, plus la cible. Une avis contraire devient mortel. Victime devient censeur. Un génocide sur nos fontaines. L'humanité ainsi que son sens meurt. Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actuelle. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche, l'équipe. Qu'est-ce que t'en fais ma jolie, ravi pas, charbonne été et l'hiver, c'est la vitale. Yes, de billets verts et rouges, c'est la vie, pense. Mademoiselle. Donc voilà l'équipe, je vais pas te rendre fou. Si jamais t'as de l'actualité, n'hésite pas à me l'envoyer en privé sur Instagram, sur Snap, peu importe, y'a pas de souci. Et puis sinon je te dis à sort pour une même prochaine de mes vidéos et une nouvelle exclue. Enfin bref l'équipe, peace les gars. La mise elle est belle et bonne, mais vicieuse, touche la cala même pas. Le regard en dit non, le visage assombri par la genja. Vaut mieux s'en servir d'appui pour pas répéter les defs. Tous les jours on parle de diff, mais la diff nous a rendu bêtes. J'suis pas approché par Def Jam, j'cumule à peine 4000 j'aime. J'écris comme un taré, tant pis, on dirait bien que c'est ça que j'aime. La plupart sont pas choquards, ils savent que HLZM il est à base. Ça pue l'amnésia dans la vago, pourtant j'ai pas encore roulé mon gros camas. Viens récup la peu frasse, ils disent pour faire rentrer, c'est plaisant, mais bon y'en a pas assez. La plupart elles ont deux facettes, j'ai la recette. J'écrase mon cul comme mes gouttes de cigarette, je leur fais des CKL, j'ai à l'âge d'augmenter le BPM. Sur le bitume, j'ai ma paire de TN, j'attends que ça paye, mais le succès répond toujours pas aux appels. Perso les marques de luxe, c'est pas trop mon truc. Un t-shirt à 800 E, je peux pas donner mon huc. Jamais de la vida, je dis que l'instru, j'ai envie de me vider. Il me faut la SACM, Slimane et Vita. Là je suis sur Panam, ça enchaîne les délits. Plaquette coupée, normal qu'on embellit. Du quartier, faut que je me barre de là. Très peu de vrai, pense à toi quand tu vas mal. Faut s'accrocher, avoir le mental. J'ai cramé ton vice comme la banale au quartier. Et si tu mets des bananes ici, on va t'afficher, fils de...